matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 27 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, l'affirmation positive pour cette journée, je suis une bonne personne et je fais de mon mieux. Mais c'est évident que vous êtes une bonne personne et que vous faites de votre mieux. Je suis une bonne personne et je fais de mon mieux. Dites-vous ça aujourd'hui. Vous êtes une belle personne et vous faites de votre mieux. Nous ne sommes encore que des humains, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé fin. C'est la fin d'un cycle. C'est le début de quelque chose de nouveau. Alors, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise pour prendre ce qui vibre avec ce message, cette énergie du jour, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, eh bien, aujourd'hui, c'est la fin d'une situation. La situation, ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation sentimentale, professionnelle ou tout autre, n'est-ce pas? Et c'est le début de quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'une relation. Ça peut être aussi la fin d'un cycle. Et c'est un recommencement. Vous savez, je vais prendre l'exemple de la chenille, eh bien, qui arrive au terme de son évolution et qui se transforme en un beau papillon. Et ce beau papillon, eh bien, il est prêt à s'envoler. Eh bien, tout simplement vers d'autres horizons. Vous savez, une fin n'est pas forcément dramatique, n'est-ce pas? C'est le moment qui peut être le moment peut être difficile dans l'instant présent, dans ce que vous vivez, dans ce que vous vivez. Mais vous savez, avec le temps, vous pouvez vous apercevoir, eh bien, quelle a transformé votre vie pour le meilleur? Cette situation de fin, elle a transformé votre vie et elle transformera votre vie pour le meilleur. Une fin n'est pas forcément dramatique, mais c'est vrai que sur le moment, elle peut être difficile à vivre. Mais vous verrez, au fil du temps, vous vous apercevrez que la fin de ce cycle était salutaire. Au moment de ce changement de situation, eh bien, il vous faudra relativiser et surtout ne pas rester fixé sur cette situation et avoir confiance. Confiance en la vie, confiance en vous. Savez, la vie, elle sait ce qui est bon pour vous. L'univers, on va parler de l'univers. L'univers, il sait ce qui est bon pour vous. L'univers est en perpétuelle expansion. C'est le propre de la vie, n'est-ce pas, d'évoluer tout le temps. De ne pas stagner. Si une porte se ferme, eh bien, acceptez la situation, acceptez la réalité et tournez-vous vers les autres portes, eh bien, qui sont grandes, 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 ouvertes. Hier, on avait le lâcher-prise. Lâcher-prise et avancer. Vous savez, il y a de belles opportunités qui vous attendent ailleurs. Il vous suffit juste d'accepter
que c'est la fin ici de quelque chose, d'une situation, et de vous tourner vers cet ailleurs qui est très salutaire, qui est très bénéfique. De plus, en vous libérant de cet ancien, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui est obsolète, eh bien, vous faites place au nouveau. Et ce nouveau, il arrive. Il est là. Il est là à la porte. Il attend que vous fassiez le premier pas. Décidez maintenant d'accepter la réalité. La fin de la situation est de voir ce que vous pouvez construire à partir de là. C'est une rupture, ça peut être une rupture, une séparation, un départ, mais c'est un aboutissement que vous allez faire, vous allez avoir, c'est un cheminement, c'est difficile, oui, c'est difficile. C'est pas facile. La fin de quelque chose, c'est faire le lâcher prise de. Et quelle belle synchronicité avec hier. La fin de quelque chose, c'est un lâcher prise. Et c'est un aboutissement à ce que vous avez vécu. Et ce vécu, il est derrière vous. Il ne vous convient plus. C'est la fin. Donc ça peut être au point de vue professionnel, au point de vue amical, au point de vue sentimental, et tout familial aussi. Ça peut être aussi la fin d'une amitié, mais il y a une renaissance là. C'est la fin pour une renaissance, pour un recommencement, pour un début, pour le début d'un renouveau, d'une ouverture de quelque chose. Donc, restez positif, vraiment. Restez positif. C'est un mal pour un bien, c'est la fin de quelque chose, mais qu'est-ce que c'est beau ce qui vous attend par après? Alors, les affirmations positives pour aujourd'hui, eh bien, c'est la fin d'une situation qui annonce le début d'une autre. Il n'y a rien de figé, n'est-ce pas, dans la vie. Tout se transforme, tout évolue. Et heureusement, parce que, voilà, ça serait monotone. Alors, dites-vous que ma vie se renouvelle toujours de façon bénéfique. Même si c'est la fin d'une situation, eh bien, dites-vous que j'ai confiance en l'avenir. Dites-vous, une nouvelle vie commence pour moi. Je suis ouverte à toute transformation. Pensez à la chenille qui arrive à son terme pour se transformer en beau papillon. C'est la fin de cette situation qui vous est bénéfique. Et dites-vous aujourd'hui, je me tourne vers de nouveaux horizons. Très beau message, n'est-ce pas? Et on termine avec le petit oracle des fées. Et j'ai pigé aujourd'hui, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Aussi belle synchronicité avec cette belle carte fin d'un cycle et début d'un nouveau. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse tout fort. À demain.